na to svino côté à Congo, na Jésus Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct partout dans le monde. Na principe bande connosco côté pour basa pour la misso qui les mobimba. Vous savez, nous avons des cultes. Et donc les bits na balo sambo mibale. Raison pour laquelle peut-être je ne serai pas long. Na tina na ngo ba ba mosus na vos amolaite. J'aimerais que le prédicateur Freddy arrange un peu la caméra parce que je contrôle ici. Na liete moté Freddy avec sa caméra pour ça quoi la zaliko tarawana. Je vois que non, arrache les trépieds, bouge seulement les trépieds. Ok. Que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a agréés. Kolo akumisama po andiliso. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer notre enseignement sur des gabarons à Jérusalem. Les longs mangolus à Zamb et Tozo Banda, la Kisnabiso, ou Etali, Kouana Gabaron, Kino, Jérusalem. Je crois, la semaine, on parlait sur les semences et la moisson. Nazonima, la Bosso, Tumane, Kouana, ou Etali, Kouana, Pekokouka. Nous n'avions pas terminé le vendredi. Tosu Kisakite, on pourrait vendredi. Mais je sais que par la grâce du Seigneur, on va ramasser le tout. Na Yébiente, la Moulou à Zamb et Tokolokotanioso. Avant de commencer la prédication de ce matin, il y a une banalité à Yatongalelo. Mes pensées se tournent vers les vaillants serviteurs de Dieu qui nous ont précédés à l'éternité. Ma banzonangai et vandi na basali ensemble à Makasi, ou ma kei bosonabiso na kopema. La communauté des assemblées des saints traverse un moment très difficile. L'Isana. Il y a la sainte et Zalikoulik Sabatan Mokwe Papasi. Nous venons de perdre un apôtre dans notre assemblée de Bumba. Touriti Kubungisa Doma Mokwe Nalisana Bumba. Apôtre Kauka. Toma Kauka. Il nous a prêché aussi ici. Il y a Péapé Bissoua. Il nous a précédé à l'éternité. Il y a Géli Bosson Abisso Nae Sika Seko. On a perdu un pasteur au niveau de l'Afrique du Sud. Pas plus que deux, trois semaines, on a perdu un pasteur à l'est dans notre assemblée de Durba. On a perdu un diacre à Bumba. On a perdu un pasteur dans notre église de Eurocide, là où le pasteur il est, a été envoyé. Nous avons compris qu'ils nous ont précédés à l'éternité. Je ne sais pas demain, ça sera le tour de qui. Mais nous donnons au Seigneur raison parce que sa parole reste vraie. Le frère Paul dit. Si nous avons reçu le Seigneur seulement pour cette vie, nous sommes plus malheureux, mangeons, vivons, car demain nous allons mourir. Ce qui te a dit que tu as mis sous ta capote à ma cambouille, à mon moyen, tu as la cuya maoua, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Mais nous avons reçu le Seigneur pour des choses plus importantes, celles que nous voyons sur cette terre. Bissot, tu as mis colo pour ma cambouille, l'équipe, à ta côte, tu as ma belle. Et je dis de tout mon cœur, que le nom du Seigneur soit loué. Na lobi na monte manana mubimba kombo ya Nzambe kobisama. La marche continue. Kotambo lesokoba. Le campement continue. Kopema ezali kokoba. Il est temps de nous préparer aussi parce que nous attendons le Seigneur revenir dans les nuées. Oui, ezali tambo ya komi kobisama bisu tozoze na kolo ya mapata. Oui, j'ai l'enseignement que je commence aujourd'hui. Et on a zan l'action à Zobandalelo. Parce qu'on va travailler deux cultes, je ne serai pas long, je serai pas vite. Pourquoi la toko, ça, la massa, pour m'y baler, nous allons laïter, nous allons pousser. 1 Chronique, chapitre 16. Mokanda, il y a un peu la chronique. 1 Chronique, chapitre 16. Je commence la lecture à partir du premier verset, je descends, il est écrit. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle,
dépendir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Sima ya komema sanduku ya Yahweh batie yango na katikati na ema oyo Dawidi atongaki pe bapesi mabonza epai na Yahweh mabonza ya mobimba bambeka pe makabo ya matondi. Quand David y achevait d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Tango ya Dawidi a sinisi ko pesa libota ya mobimba pe bambeka pe makabo ya matondi a pamboli libota na kombo ya Yahweh. On gagne du temps, verset 4. Toujours la tango, c'est la côte à la Bible. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yé a pesi na balewi mokumba ya kosala mosala liboso ya sanduku ya Yahweh. Verset 6. Les sacrificateurs Benaja, Zahachiel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Bananazambe, Benaja, Pejakael, Bouraki, Kelelo, Tamonio, Sotou, Iboso, Yasanduku, Yaboka, Yazam. Notre enseignement, verset 37. Nous sommes toujours dans 1 Chroniques chapitre 16, verset 37. David laissa là. David a dit qu'il y a devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il bossait à Yahweh. Azam et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissaient leurs tâches jour par jour. Azam de Bandekonaé, Bazala Kiwana. Verset 39. Il établit les sacrificateurs Tchador et les sacrificateurs Sophère devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabon. Et à Tiaki, Nananzambe Tchador, et Manananzambe, et Manekone Nibali, Iboso ya mon nombre. Na Yahweh, atiaki bango likolo na Gabaon. Pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel imposée par l'Éternel à Israël. Bonako bonzaka, tango nyonso tout liboso à Yahweh, ma bonze à minima, tango pe pourquoi, liboso ya sanduku pe. Mabota ya libimba oyo bango bandaki kokokisa makomi na mobeko na Yahweh oyo Nzambe atiaki epai na bana ya Israele. Retournons dans 2 Chroniques chapitre 1er rapidement. 2 Chroniques chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du verset 3 et je descends. Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée en haut lieu qui est à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Salomon a été à Kenaki, na libota mubima, na bisika, ikolo ya Gabaon, et si kawapi, ema, yanzambe zaraki, oyo mose asalaki yango, na lisobe moso mosali nzambe. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel. L'autel des reins qui avait fait Bézalel, fils de Ruth, fils de Salomon, et l'assemblée cherchait l'Éternel. Wana, Ezalaki, et tout le monde, mon nombre, et tout le monde, Yahéren, ô Bézalel, mon ami, pour la cour, et Salomon, il s'en a mis par Baïdikou Kayao. Lire chapitre 10, en grand temps, lire chapitre 10, je lis rapidement les versets 22. Lire 10, 22, il est écrit. Lire chapitre 10, verset 22, il est écrit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Moto mon côté, aïe, moi, ce qui t'a tâté,
Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Shalom. 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 Je dois utiliser le tableau pour vous faciliter la compréhension des copains de Gabaran. Je veux pas raisonner et je veux que tout le monde soit branché de multiplier son attention pour comprendre la pensée que le Seigneur nous a cachée dans cet enseignement. J'aimerais que tout le monde regarde ici parce que je veux plus me servir du table. Jérusalem est la capitale au temps de David. Jérusalem est la capitale dans le temps de David. Vous avez Jérusalem. Vous allez dans Jérusalem. Là où David restait, demeurait, résidait. Et c'est quand David a Zalaki à Bandai Kofana. Vous avez Gabaon. Vous allez près de Gabaon. Un jour, David, s'est décidé de prendre l'arche de l'Éternel pour ramener cela dans Jérusalem. J'aimerais que vous me suiviez parce que je répète le texte. Où se trouvait l'arche? L'arche était dans le tabernacle. C'est-à-dire, l'arche se trouvait dans le lieu très saint. Voilà la démarche faite par David. Il a récupéré l'arche, je ne sais pas de tous les détails. Il a construit une tente. Pourquoi? Il cacha l'arche dans la tente. Mais quand on retranche l'arche de la tente, voilà ce que je fais. Il n'y a plus l'arche. C'est-à-dire le tabernacle est resté seulement les ustensiles, les planches, les tapis. Mais l'arche s'est déplacée vers Jérusalem. On fait maintenant comme ça pour la meilleure compréhension. Ici, à Gabaon est resté le tabernacle. C'est-à-dire que si vous cherchez l'hôtel de l'Holocauste, et tout le monde va tout mettre en mécan. Ça y est là-bas. Qui te reste? Les Aliona. Mais David a transporté seulement l'arche à Jérusalem. David a amené sa boucle à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a divisé les tabernacles en deux parties. Et lui, vous voyez, à Kaboli, mon nom, mon habité, il a placé l'arche dans Jérusalem. Il a attiré sa boucle à Jérusalem. Et le tabernacle d'Agabaon. Tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Ce que David a fait, remarquez la démarche de David. Voilà comment est-ce qu'il a voyagé. Suivez. Il fait Jérusalem. Il a sali Jérusalem. Il prend l'arche. Il le ramène dans Jérusalem. Ça dit que le père Tata a fait Jérusalem. Tata sali Jérusalem. Gabaon, Jérusalem. Alors que quand vous allez dans Exode chapitre 25, Dieu a dit ceci.
Vous allez me bâtir un sanctuaire, un tabernacle. Je viendrai habiter là. Maintenant, le tabernacle construit dans le désert. Quand vous vérifiez Exode chapitre 27, verset 22, 23. Surtout au terme d'Exode 25, 23. Vous allez voir que Dieu, au moment d'un désert, descendait. À qui t'a parlé? Ni dans le lieu saint, ni dans les planches, mais la voix de Dieu sortait sur l'arche. Voilà pourquoi on le voilait. C'est-à-dire que l'arche ici, c'était là où se trouvait la bouche. C'était là où se trouvait la tête. On le voit aller. Que le Seigneur vous bénisse. Vous l'entendez la mission. C'est-à-dire que l'âge. Je dis qu'on va être sans beaucoup. Quand Dieu a commencé à parler, à enseigner sur le tabernacle, la première des choses qu'il a exprimées dans sa bouche, c'était l'âge. Vous pouvez tout faire. Il a construit le temple. La gloire de Dieu n'était pas descendue. Et quand on a fait l'arche, la gloire est descendue. C'est-à-dire que l'arche, c'était la demeure de Dieu. Les alliés étaient dans la salle. Et les textes disent, quand l'arche s'élevait, Moïse disait, lève-toi éternel, que tes ennemis se disent. Merci Seigneur. Donc, on peut avoir des églises partout. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas des pots. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'âge. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est sorti dans le temple, je pouvais les expliquer. L'âge est sorti. Les apôtres ont montré à Jésus le temple. Ils disent, habitez, rien ne restera. Et alors, comment est-ce qu'il a parlé? Jésus déjà sorti. Mais pourquoi David a séparé l'âge et le tabernacle? Il y a qu'à Boli, Sandou, Kouna, mon Mongo. À Jérusalem, qu'est-ce qu'il laisse? Na Jérusalem, il a dit, qu'est-ce qu'il laisse à Jérusalem? Et parce que David, vous voyez, David, vous voyez ce peuple qui est ici. Il n'a pas laissé l'arche comme ça. Il a couvert l'arche. Que ces gens-là ne le voient pas. L'arche n'est plus couverte. Ça nous fait ça sur aussi pour le mettre de là. Ils ont pas rien mon Même la sœur Marie. Attends qu'on est comment si on a enfanté Jésus. Quand il y a petit mon aïe. Au lieu de le laisser comme ça. Ne si pas dire que maillot. Yes. Ah si qui est soit si bien. Donc en Israël. Et lui pour mon Israël. Il est voilé. Il est assis pas bien pour le mage. Assis pas là par le mage par le mage. Il est assis pas bien. Assis pas bien. Lâche. Et lui pour ma sandoukou. Jérusalem. On comprend maintenant que Dieu a séparé la tête et le corps. C'est-à-dire que la tête est allée dans Jérusalem. Et le corps est resté dans la gamme. Qui a fait ça? Salia pour le père. Tata. D'accord? Merci Seigneur. Très simple. Et ça la pète. Maintenant, Salomon devient roi. C'est que Salomon a venu mon côté. C'est ça maintenant ma prédication. Il y a mort de l'éternel. Salomon devient roi. Salomon a venu mon côté. Où est-ce que Salomon habitait? Et c'est quand il dit Salomon va être au Jérusalem. Où ça C'était normal
qu'il commence à prier à Jérusalem. Et ça a dit bon, ça ne va pas ressembler à Jérusalem. Mais Salomon dit non. Alors il dit, je ne peux pas commencer à prier. Là, on va ressembler à Jérusalem. Laisse Jérusalem. Tiens, Jérusalem. Donc quand il laisse Jérusalem, à qui est Jérusalem? Laisse quoi? À qui est-il? Lâche. Qui salue? Il descend à Gabaon. Il y a qui dit à Gabaon. Donc Salomon a commencé la prière. Salomon a dit le sang à Gabaon. À Gabaon. Mais au temps du père. C'est la table à Tata. C'est parce que vous me suivez. Au temps du père. La table à Tata. Quand il a séparé là. Quand il a séparé sans nous. Non, 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 non. Il a laissé les gens. À qui va tout? À Toré dans Jérusalem. À qui qui va tout? Pas pour moi, Jérusalem. Il y avait un culte. C'est là qu'il puisse le sang. Dans le temps du père. Tata. Il y avait deux cultes. C'est là qu'il n'a pas le sang. Le culte qui se faisait. Le sang de Madame Salem. Dans Jérusalem. Notre culte. Le souci de Salem. Dans le temps. Mais quand Salomon est venu, j'adore ça. Quand c'est tant que Salomon est venu, il a laissé le culte de Jérusalem. Il y a dit qu'il le sang de Jérusalem. Il est venu. Il a prié. Il a sauvé. Il a donné l'offrande. A baissé les bons. J'expliquerai le mouvement qu'il a fait. Parce que c'est ici. Des après avoir donné l'offrande, si vous avez baissé les bons, il dort. À la vie. Et Dieu ne lui a pas parlé comme ça le jour, mais c'était. Nous avons parlé là que c'est la moitié de mon est-ce n'a pas tout à parler? Ah bon? Après avoir donné l'offrande, il est comme ça les bons. Il y a eu sommeil et pougnard. Allez, Dieu lui a parlé. Nous avons parlé. Salomon quitte Gabaon. Salomon le quitte Gabaon. Il ne va plus rentrer à Gabaon. Il ne priera plus à Gabaon. Il remonte à Jérusalem. C'est là qu'il est. Jérusalem est sorti. Et plus tard, on a détruit Gabaon. C'est le temple. Et désormais le seul lieu. Et ça, c'est là qu'il est. D'adoration. Et on sent qui va venir. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. À la lecture. Ça, c'est la lecture, non? Oui, ça dit que je veux maintenant expliquer. Vous êtes. Je fais la lecture, je veux maintenant expliquer. Nous avons vu le mouvement du Père. Nous sommes venus pour l'Ina et Tata. Le Père a fait quoi? La casse à l'Ina. Gabaon. Gabaon. Jérusalem. Il a pris la suite. Ça peut monter avec ça la chasse. Matinement qu'il est Jérusalem. Mais avant de prendre l'âge, il y a encore un salut. Il a quitté Jérusalem. Il a dit Jérusalem. Gabaon. 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 Jérusalem. Jérusalem. Mais le fils Salomon, Kassi, moi la Salomon, ne fait pas ça. Il y a Salomon. Le fils commence la prière. Il y a moi la dit le sang de Gabaon. Comment la Gabaon à Jérusalem. Qui n'a pas Jérusalem. Vous voyez ce mouvement. Sauf qu'il y a un c'est comme le fils. Et ça, le roi, moi, non. Elle est verse du père. Moi, la roi, qu'est-ce que ça n'a pas d'âme. Elle m'a dit. On te voit quoi, quoi, qui personne ne connaît le père. Mon te voit pas, il dit, tata, tiens. Ce qui t'a d'âme. Ni le fils. Attends, moi, non. Si c'est le père. Ce qui t'a d'âme. Donc, quand Jésus-Christ marchait, tant que Jésus est en il faisait le mouvement du père. Avant de ça, la commune, là. Du fils. Il y a tata, que moi. Je suis le chemin. Non, la famille, c'est là. Que vos cœurs ne se troublent pas. Il t'a donné le plus sans mater. Croyez au Père. Bon, il est la tata. Moi aussi. Bon, il est la pita. Thomas dit bon, mon père, le Père. Tout le monde vit. C'est la sœur sur tata. Chaque fois, Père. Tata, Père. Tata, Père. Tata. Maintenant, où est ce Père? C'est Tata Mazara. On ne le connaît pas. Tu es bien, Père. C'est lui qui m'a vu. Oh, mon inga. A vu le Père. Mon tata. Où était le Père? Tata de la guerre. Quand il faisait l'allée. Ciel, l'icône, ma belle, le père. On a la tata. Mais quand il prend la terre, quand il y a su ma belle, le père, le ciel, il est comme à l'icône, le fils. On a la lémoine. Ça veut dire que dans l'époque de Jésus, il est comme à l'icône, le ciel, c'est un mouvement. Et ça, la communion, père, tata, fils, mon père, tata. Retournons dans une chose que vous connaissez déjà. Tout le monde dans l'époque, vous voyez bien. Vous connaissez ça, non? Oui, bien bon. Oh, vous connaissez ça. Oui, bien bon. Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes il a choisi qui? Il a pour Noé.
Je croyais que tout le monde allait répondre non. Noé. Il a choisi Noé, n'est-ce pas? Il a poli Noé. Mais pour sauver Noé, il a pris l'arche. Il a mis la Noé. Donc quand Noé, Salomón, ¿qué es que le está diciendo? Mira qué cosa.
Laissez-moi vous expliquer terre à terre. Si Kanaï n'a pas la vie, on a pas fait tout. Nous adorons ici, n'est-ce pas? Mais ce que vous m'avez là, aujourd'hui on a adoré. Nous autres, vous m'avez. Est-ce que vous savez qu'à part cette adoration, la véritable adoration se fait dans le ciel? Vous êtes là. Apocalypse 8 nous montre. Apocalypse 8, ça veut dire que c'est un souverain sacrificateur. Donc si je loue Dieu ici, ce qui est la police du sang, vous attendez le mot. Vous nous sommes en bas, nous faisons au ciel. Casse-nalicolo. Dieu sans l'odeur. Nous avons besoin de casse. Je suis venu pour vous faire comprendre des choses que nous ignorons. Naï naïe pour la Isabine, on a quand même le seul matin. Je me prosterne, Jésus-Christ. Naï na boumba, mais yes, oui, Dieu. Yo, ça l'est, ça l'est. Yo, ça l'est, ma grande, et nous sommes. Lui, tu attends, et moi j'attends. Ah, mais Dieu ne regarde pas seulement le Seigneur. Il voit aussi la prière au ciel. La prière n'est pas seulement de le Seigneur. Il y a aussi la prière de l'Esprit. Je veux simplifier ça. Exemple. Lui se marie avec la sœur Ruth. Ne connais-je avant la mina, ne commence pas. Ce sont mariés au ciel et sur la terre. Baba, na l'icône, tu n'as pas béni. Au ciel et sur la terre. Baba, na l'icône, tu n'as pas béni. Sur la terre. N'a pas béni. Ils sont à Jérusalem ou bien Gabon. Baba, na Jérusalem, toi, Gabon. Ils sont où? Gabon. Mais ce mystère est grand. Qu'est-ce qu'il bon, ma mise en œuvre par rapport à Christ? Na, pour la semaine à Christ. Et à l'église. C'est-à-dire que ce que nous voyons ici n'est que l'ombre. Les alliés, mais la réalité se trouve au ciel. Les alliés dans le colo. Amen. Amen. C'est voilà qui t'a mal et c'est voilé. Et c'est voilé au ciel ou bien sur la terre. De comment sur la supprime tout. A supprime la libérée dans ma vie. Cela a une signification. Il y a aussi une attitude spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous amener là. Funéraire de trouble. Ce que je fais sur la terre. Si j'attends la récompense sur la terre, je serai hypocrite. Je prêcherai pour plaire aux hommes. J'aurais besoin de plus de fanatiques. Mais lève. C'est fait sur la terre. Dieu ne regarde pas comme les gens de la terre. Nous sommes amour à l'amour pour la terre. Il voit aussi au ciel. Nous sommes comme on a l'icône. On a vu des gens comme ça. Ils sont devenus la tour. À la fin du culte, Nassim, Dieu se salue. Il y a la personne qui est mon frère. Il y a la personne qui est ma soeur. Il y a la personne qui est mon frère. Qui est-il? Il y a la personne qui est mon frère. Bah, toi, comme tu m'as dit. Je prêchais quelque chose dans le tribunal de Christ. Je disais, aujourd'hui, on peut se tirailler. Le nôtre recommande. Parce qu'on a fait ceci. Oui, on a fait cela. Tout cela, c'est parce que les yeux de prédicateurs, de pasteurs, de hommes restent ici à Gabon. Nous sommes en pointe. Monsieur, il y a ma part de lié à Batou. Et tu m'as dit qu'il y a Gabon. Mais si les gens ne s'arrêtent pas à Gabon, ceux qui m'ont pas soutenu à Gabon, ils considèrent aussi Jérusalem. Je peux accepter la justice. Naï n'a pas de la justice. C'est ce que Frère Paul dit. Et ça, on ne peut pas dire. Je n'ai pas utilisé de mon droit de prédicateur. Naï n'a pas la quitté. Bon, on a voté. J'ai le droit. Naï n'a pas la quitté. Mais pour ne pas vous scandaliser. J'accepte la souffrance. Naï n'a ni ma passe. J'accepte la famille. Naï n'a ni ça. J'accepte la sorte. Pourquoi? Naï n'a ni vie. Vous ne voyez pas la terre. Il y a malheur au ciel.
Reste dans la justice. Parce que Dieu ne voit pas seulement la terre. Nous avons des bons mains à l'école. Merci Seigneur. Tout le monde ne voit pas. Tout le monde ne voit pas. Si Salomon a fait, soit que Salomon a fait, il a prié. Il a salué. Il monte aussi à Jérusalem. Il a battu à Jérusalem. Le matin, j'ai pas maintenant le pourquoi. Non, on peut sortir. Il est venu ramasser tout ce qui est de Gabon. Ramener ça à Jérusalem. Comment ça? Demain, lobby. Quand il va construire le temple. L'hôtel de l'Holocauste qui était ici. Il y a des choses qui ont tout sera représenté là. Et comment on a eu pour cela? Qui perd? Il y a eu pour soi. Ce qui était sur la terre, c'est ça qui m'a fait ramener ça. Ouais, mais moi, la libéré. Comment est-ce que le tabernacle a été construit? Loin de mon nom, mais ton amaki. Je parle rapidement. Dans l'ordre de l'homme, le tabernacle n'était pas construit comme ça. Un seul tout. Non. Mon nom est tombé dans le monde. C'est ça et là. Et ton âme en dame, mon âme, mais Dieu l'a rassemblé. Les âmes et à Sani Sani. C'est-à-dire que ces ustensiles, les livres de la vie, ça c'est le haut. C'est Lidjo. Et Lidjo, c'est Kadima. Et Zali, c'est Jean-Méli. Zali, Manso, Yaoni, c'est Michel. Mon Batelli, c'est Di, Michel, c'est Passi. Et Zali, Batunion Sol. Est-ce que ce que vous voyez, lui, pour là? Je ne veux pas prêcher comme lui parce que moi je ne suis pas lui. Non, il y a pas table de peur de proposition, table de peur de proposition, n'est pas qu'il verrait. Mais ce que nous faisons, c'est le tabernacle, un corps. Et le corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, il y a ma part, il y a nos amis qui peuvent être. Mais en faisant ça là, les amis sortent de mon corps. Nous avons mis les gens. Ils sont de mon corps. Qui a prêché? Non, il y a des amis. Ma corde. On va tenir ma corde. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Il y a un tel. Qui a prêché? Jamais lui. Non, son niveau est. Non. Et puis maintenant, qui a placé dans le tabernacle chaque membre comme il a voulu? Non comme les membres veulent, mais comme chaque membre a voulu. C'est la grâce. C'est la grâce que nous sommes venus à vous accompagner. Il y a mes amis pour nous. Sans nous, nous devons nous répondre. Mais avec son nom, à Dieu, il était dans le lieu de non, le lieu de l'éternité. Si on te pose la question, sans nous, nous devons nous répondre. Toi, la plage. Aussi, il m'a dit, tu es venu ici pour faire quoi? Il y a un peu ça. Il te dira, il y a un peu. Quelqu'un m'a coupé. On ne pourra pas t'aider. Et comment toi tu résistes ici? Il n'y a de base d'argent. Et ça n'a pas pu être possible. Ils font que je suis là. Et quand le vent souffle, quand mon professeur est un temps pas pour moi, il n'a aucun départ. Il y a de traverser. Et vous avez la bio pour les gars. Pourquoi tu ne tombes pas? Prenez le père. Je suis lié à l'autre. Là, il a calamé dans mon souci. Quelqu'un, nous devons aller dans la forêt. Nous a coupé. 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 A allons dans un autre chemin. Ah, vous êtes venu pour ça.
Ok, là, c'est là pour ce. Je laisse le cheval de tout le vivant. Je laisse le cheval de tout le vivant. Qui était soumise à la maison. Oh, il y a tous à la terre en arbre.
Vous êtes
vos amis. Gabon, chez moi, c'est quoi des gens? Gabon n'est pas une langue des animaux sacrés. Tout ce que je fais. Non seulement ça. Jérusalem. Jérusalem. C'est l'esprit. Les animaux limo. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés. Beaucoup de gens n'ont pas fait le passé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés. Il ne va pas faire le passé. Tout cela, c'est la chair. La chair, c'est la nerf. Il faut que les gens comprennent l'essentiel, c'est l'esprit. Nous sommes les amis de Dieu. Parce que c'est là que nous sommes en train de nous faire des amis. Merci Seigneur. Je vais terminer là. La voix est sur ça. C'est-à-dire que je prie, mais le problème de l'homme, ce n'est pas le problème de l'esprit. Thank you.
Vous asseoir s'il vous plaît, on acclame pour la parole.